Donc je pars un peu plus tôt. Et je fais bien parce que là déjà on va dégivrer. Là ça m'indique attention risque de verglas. Je file à Chartres pour l'intervention de ma maman, l'oreille. Bon, je suis passée avec elle le temps du questionnaire, mais apparemment c'est trop petit, je peux pas assister. Donc on va attendre. Je vous reprends, c'est le lendemain. Donc l'opération intervention de ma maman s'est très bien passée. Elle est tombée sur une femme, une chirurgienne extraordinaire, mais tellement humaine, qui a pris le temps psychologique dans le sens où moi je suis rentrée dans la salle avant l'intervention. J'ai pas pu rester parce qu'elle m'a dit qu'ils étaient pas dans la salle habituelle, là elle était beaucoup trop petite la salle, et bon c'est quand même une opération donc je comprends. Mais en amont j'ai dit moi je suis là parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez anxieuse et tout. Et au vu de ce que je lui ai dit, une fois que l'intervention est terminée, donc la chirurgienne m'a fait signe de venir, et maman m'a expliqué en fait, la chirurgienne lui a posé 15 000 questions, a complètement happé son attention sur ce qu'elle comptait faire le soir de Noël en termes de menu. Elle-même a expliqué ce qu'elle avait fait l'année dernière, les péripéties, les trucs. Donc forcément, c'est génial, ton attention, elle était vraiment là-dessus, focalisée. Et elle m'expliquait qu'au moment où la chirurgienne parlait de notamment le dessert qu'elle avait fait, elle lui dit nous avons terminé. Enfin, c'est formidable, quoi. Ça, c'est top. Évidemment, les résultats seront après Noël, et puis en fonction de ça on verra, mais déjà c'est une très très bonne chose. Elle était un peu secouée, donc le temps qu'elle reprenne ses esprits, je pense qu'elle avait une petite chute de tension, elle avait des vertiges, mais c'est le contre-coup. Et puis je lui ai dit, écoute, tu veux faire quoi? Il était midi et demi, on était donc à 50 km de la maison, un petit peu plus même. Et elle me dit, écoute, ouais, ça me plairait d'aller manger un petit sandwich chez Paul ou quoi. Je dis, écoute, je t'emmène. Donc on est allé, en plus il n'y a pas grand monde. Et elle en a même profité, ça allait de plus en plus. Elle a même fait quelques petites emplettes pour Noël. Et résultat, on est rentré tranquillement le soir et je ne vous ai pas repris. Moi, il y a eu, je crois que j'ai eu un contre-coup. Je ne l'ai pas trop dit, mais pendant que j'étais là-bas, je me suis tellement tendue que je commençais à me bloquer au niveau du dos. J'étais là, non, c'est pas le moment, surtout que là, je suis en prod, donc là, je vais m'y mettre. Je vous dis, ça va être ça toute la semaine. Et là, ça va beaucoup mieux. Voilà un petit peu pour les news d'hier. Je pense que vous l'aurez compris, hein, que c'était pas évident de vlogger. Je vais monter, je vais vous montrer les calendriers de l'Avent. Donc, calendrier de l'Avent de ma maman, du coup, je vous les ai pas montrés ni hier. Alors, ce matin, elle a eu un savon. Toujours de la marque Nina Marie-Antoinette. Pareil, c'est la marque qui m'avait envoyé plein de choses. Donc, ça va compléter sa collection. Et hier... hier, pareil, j'avais reçu ça dans une box. C'était les petites amandes chocolatées Elsie où il y a beaucoup moins de sucre. Donc, c'était parfait. Et cleaning, on monte deux cases. Mais avant ça, il faut que je vous montre le gars. Donc, j'ai pas pu bouger la couette. Mon bébé, alors il ne sortira pas. Tu ne vas pas sortir, sauf peut-être pour aller faire ses petits besoins dehors. J'ai pas regardé, on doit être à moins 4. Là, il fait vraiment très très froid. Hein, mon bébé, t'es bien là? T'es bien, hein? Regardez-moi ça. Ça, c'est un chat heureux. Moi, j'habite dans le centre nord de la France. Et ils annoncent peut-être de la neige. Habituellement, j'aurais été plutôt ravie, j'aime bien cette ambiance, mais là, non, je suis un petit peu en angoisse parce que c'est au niveau de notre toiture. Comment dire? On nous avait prévenu qu'il fallait pas approcher l'épisode neigeux. En tout cas, quand je dis si c'est que ça, ça va, mais il faut pas qu'il y ait une masse sur le toit. Sinon, ça pourrait avoir des conséquences pas cool. Donc j'espère qu'il va pas trop neiger. Et je file parce que je vous dis, il est 10h25, j'aimerais quand même commencer. Je vais étalonner sur toute la semaine de façon à ce que ce soit pas non plus un truc comme je fais habituellement pendant 10-12 heures consécutives, c'est pas bon non plus. Je me suis pas vue dans la glace, mais je sens que j'ai les traits tirés. Je suis explosée. Alors, du coup, je suis perturbée. Donc le 12 est ici et le 13 est ici. Deux cases assez conséquentes. Donc le 12. Oh, ça c'est une boîte avec du liquide, je pense. Elle est vraiment bien, c'est l'émulsion hydratante tellement différente pour les peaux très... je me mets là parce qu'il y a toutes les... Pour les peaux très sèches à mixte, idéal. Moi ça je mets le soir. Très bien, je pense que ça va être dans le même esprit de tube. En effet, il s'agit d'une mousse hydro-démaquillante. All About Clean, d'accord, je connais pas cette gamme non plus, je vais avoir de quoi faire. Hein. Attendez, il y en a un autre là, All About Clean, mais là c'est savon visage liquide. Moi je vais avoir de quoi faire, très joli. Bon, voilà, donc c'est parti, moi je vais commencer les cartons.
Je suis à Leclerc et je ne vous ai absolument pas pris hier parce que j'ai eu plein d'imprévus, plein de choses que j'ai dû régler. Ça m'a pris quasiment toute la journée, donc j'ai même pas pu avancer comme je voulais en production box. Ce matin, je m'y suis mise à fond, mais voilà, faut que je rattrape le retard. Là, nous sommes partis faire les courses parce qu'à un moment donné, il faut le faire. Ce matin, j'ai reçu, alors je fais très rarement, voire jamais, de partenariat voilà, en présentant des choses parce que je suis vraiment difficile là-dessus, j'aime qu'il y ait une plus-value, enfin voilà, faut que ça me plaise. Et là, c'est pas moi qui ai demandé, hein, c'est eux qui m'ont proposé, j'ai étudié la chose, j'ai vu qu'il y avait des youtubeuses qui avaient testé l'un de leurs produits, mais moi c'est vraiment la nouveauté en plus que je vais vous proposer, donc des youtubeuses qui tiennent la route et on va regarder ça ensemble, ça peut être cool. Laisse-moi la place, que je puisse tout installer s'il te plaît, merci. Nous sommes rentrés, ça y est, des courses, il est 16h, on a fermé tous les volets pour être vraiment en mode tranquille, je veux plus voir ce temps maussade. Ce soir bah, c'est la demi-finale, donc on a acheté de quoi, se faire un petit apéro, on est que tous les deux dînatoires, de toute façon j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit, j'ai la migraine de l'espace. Forcément, ça va de soi. Bon, c'est pas grave. Je vous montre quand même les deux, trois petites choses pour grignoter. Et après, ce que j'ai reçu, les articles, même si, évidemment, je ne les ai pas testés, je viens de les recevoir, mais je ferai un truc plus détaillé quand j'aurai du recul. Alors, bah, j'ai pris ça, un petit plateau de crudités, toujours sympa, avec caviar d'aubergine, tartinade artichaut, basilic, ça avait l'air très sympa. Ça, c'est des petits cubes de chèvre qui peuvent être utilisés pour tout. Les pommes, c'est pas pour ce soir, mais j'en ai repris. J'ai pris des mini ricacats, fromage de chèvre, citron, ciboulette, à passer au four. Eric a pris ça, boulette, soja, oignon et blé. Je suis pas fan, moi, j'ai déjà goûté, c'est trop sec. Évidemment, ça pour aller avec. Ça, j'ai du mal à résister, c'est vraiment exceptionnel, mais j'aime trop les polkas. J'ai repris du gros scotch parce que j'ai peur d'en manquer. D'ailleurs, oui, la box de décembre n'est plus en commande, et d'ailleurs vous êtes pas mal à le faire, vous pouvez évidemment prendre des cartes cadeaux en cliquant sur offrir, et le soir de Noël, bah, vous faites un petit mot, voilà, je t'ai pris un mois, trois mois ou six mois la box Le Boudoir, sachant que évidemment la première box, ça sera celle de janvier, mais c'est un super cadeau. Hein. Maramette de papier également, ça pourquoi pas un petit peu, mais j'avais envie de me prendre du miel, donc miel de thym sauvage, puissant et corsé, il me donnait pas mal envie celui-là. Et je vais faire également ça, donc c'est A, c'est McCain Signature, c'est des crunchy pétales, ça a l'air trop sympa, comme des frites, quoi, mais très fines. Je vous montre, c'est un peu sombre, je vais me mettre ici, ça sera plus lumineux. Ce qu'on va tester, c'est d'avoir Current Body. C'est une technologie de pointe. Je suis trop contente. Donc, vous avez peut-être vu, vous, je vous mets en photo, on l'a vu beaucoup testé, notamment, je vous dis, par Sonia Seller, le masque intégral. Mais ça fait un moment, donc je me suis dit, ils voulaient me l'envoyer. Ils m'ont dit, vous choisissez. Donc, j'ai dit, bah, non, je préfère prendre les deux et donc la nouveauté. C'est un appareil que tu vas utiliser pour les lèvres. Mais je rentrerai vraiment dans le détail, comment ça fonctionne et tout et tout et tout. Pour venir, donc si tu as des petites ridules, si tes lèvres ont perdu un peu en densité, moi je suis une ancienne fumeuse, même si je fume plus depuis 5 ans, j'ai fumé beaucoup beaucoup et forcément ça abîme tes lèvres et puis le collagène avec le temps bah, il diminue. Et il semblerait que cette nouveauté vienne un petit peu redensifier tout ça. Et j'ai pris également leur appareil pour le contour des yeux. Et si vous me suivez, je vous en parle. Ça commence vraiment à me... Ça me gêne vraiment. Mes cernes très apparentes. Alors après, effectivement, comme je vous ai dit, ça peut être pas mal de facteurs. Mais une fois que c'est installé, après c'est génétique également. Et il semblerait que ça fonctionne bien sur justement les poches, les cernes, les petites ridules. Je pense, il me semble même que c'est au bout de 3 semaines, 4 semaines que tu commences à avoir des résultats. Et puis bien sûr, sur plusieurs mois. Donc ça, vraiment, j'ai hâte de l'essayer et de vous faire les petits retours. Je vous montre juste comment c'est. Je suis vraiment contente parce qu'effectivement, ça a un coût, hein, ça coûte... là, il doit y en avoir pour 450 euros quand même. Donc ça m'a été offert, je suis très contente. À l'intérieur, c'est comme ceci. Très futuriste. Hein. Le masque, bon, on a tout ce qu'il faut. Et puis bien sûr, les instructions. Et le petit appareil Lips, comme ceci. Voilà, je découvre vraiment en même temps que vous, hein.
Donc ça, ça doit être à mettre dans la bouche. T'as le support pour la recharge. Bon, je vais étudier tout ça avant, bien évidemment, de l'utiliser. Donc ça, c'est bien. Je vais ranger tout ça. Ouais, ça, il est 4 heures passées. Et je me mets au montage de ce vlog. Parce que demain, je pourrai pas. Demain, vraiment, focus sur les box. Je veux le faire matin, midi et soir, non-stop, pour m'avancer un max. Et je pense que demain, donc demain, nous serons... nous serons jeudi. Donc demain jeudi, j'envoie les premières box. Voilà, ça c'est dit. Donc je vais arrêter maintenant ce petit vlog. Et puis on se retrouve, je dirais, après-demain peut-être, pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Bisous.